Bon. Détention, pas d'oxygène. Le pont donnant accès à l'installation de tombeau est en ruine, bien qu'il n'en ait aucun signe de sabotage ou de démolition. Les débris ne semblent pas non plus indiquer que la catastrophe naturelle, seul un chemin étroit subsiste. Pour le trafic du monorail, soit Sarah atteint tombeau avec quelque soit s'effondre, soit elle a trouvé un moyen de tout arrêter cela. Mais j'avais réussi. Vois rien. Ah là. Que je suis posé de faire avec ça. Non, j'ai même pas reçu de message. Merci pour la donation! Oh yeah! Caribou est millionnaire! Lorsque le dresseur. Ok. Et là. L'énergie à descendre. Allez! Pourquoi je saute pas à bonne place à chaque fois? Je vais me mettre d'autres oxygènes.
Tombé là-bas en bas de nouveau, ben j'ai pas gardé la bonne place avant de sauter. Où suis-je, Star? Ok. Je sais ce que je suis. Mais là, on va manquer d'oxygène, c'est ça qui va arriver, si on se dépêche pas. Bon retour. Il me semble qu'il était là la première. Je vais saisir les prénoms ci-dessous, William, Isaac Johnson, Vid.
7 jours après la coupure générale, elle est tout seule. Capacité du réacteur, 9%. On y est presque. Allons-y, Alex. Bienvenue à Tombo. Qui êtes-vous ? Sarah. Sarah Baker. J'étais en poste sur Pearson. Vous travaillez ici ? Avant, oui. Je m'appelle Isaac. Isaac ? Monsieur Johansson ? Où sont passés les autres ? Je croyais que tout le monde... Il n'y a que moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ils sont tous partis. Je suis venu réparer la MPT. C'est inutile. Ils ont verrouillé l'unité centrale. Impossible d'accéder au système. Je suis ingénieur logiciel. Montrez-moi, je pourrais peut-être... Ah ! Que se passe-t-il ? Le réacteur. Il n'a plus beaucoup de carburant. Mais l'énergie s'accumule quand même à l'intérieur. Puisque la MPT est déconnectée, cette énergie n'a nulle part où aller. Si on ne l'arrête pas bientôt... Attendez, vous êtes ingénieur logiciel ? Suivez-moi ! Attendez, un instant ! Quartier de l'équipage. Salut Darkness, tu vas bien? Peut-être une trappe dessous. Rien dessous.
Non, j'aime pas Fortnite. Brèche sécurité détectée. Verrouillage effectif. On a pas de l'argent entier, ça, ouais. Énergie. Je pensais qu'ils faisaient tout le même mouvement. On va régler le problème, ça. Je finis de jouer dans 20-30 minutes, j'arrête de jouer et je reviens ce soir. Aucune idée.
puis les Sparks. Ouais, je sais pas trop où aller, on dirait. Hein. Que calice que je vois, tabarnak. Ah, c'est ça, faut que je va. Je dois monter là.
Yes! Ah oui, trouver un autre moyen de sortir du quartier général, évidemment. Salut, Pat de Butcher Loser, comment ça va? Monsieur Johansson, attendez! La salle de contrôle n'est pas loin. Hey. Une fois que nous aurons traversé ce couloir... Vous allez m'écouter, oui? Les secousses ne font qu'empirer. Si nous ne rectifions pas... Nous venons de passer devant plusieurs unités AS détruites, et ce qui ressemblait beaucoup trop à Deus Mortuaire à mon goût. Que s'est-il passé? Ce n'est pas le moment. Vous connaissiez ces gens? Ça suffit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, en effet. Je ne sais pas pourquoi la MPT est tombée en panne, ni pourquoi toute la colonie a disparu du jour au lendemain. Capacité du réacteur, 8%. Nous devons nous concentrer sur le réacteur. Les nôtres ont été tués ici, Isaac. Ça ne devait pas se passer comme ça. Le projet Outward devait sauver tout le monde. Et comment? En faisant nos valises pour quitter la Terre? C'est un plan pitoyable, même pour MacArthur. Le projet Outward nous a tous laissés pourrir sur place, et vous vous en fichez. Je ne vous permets pas. J'ai voué toute ma vie à alimenter la Terre, même après que ma femme en soit morte. Ma fille est toujours coincée sur ce foutu caillou. Alors comment avez-vous pu l'abandonner comme ça? Est-elle seulement au courant? Écoutez, il n'est peut-être pas trop tard. On peut réparer la MPT. Vous pourriez être un héros. Regardez autour de vous, Mademoiselle Baker. Il n'y a pas de héros ici. Ils sont partis. Maintenant, allons-y.
déconnecté. Maintenance connectée. Donc, je devine qu'il faut amener quelque chose ici. Ah, c'est ça, je venais d'ouvrir tantôt, mais je pouvais pas. Ah, ok! Calisse, ouais. Je viens de comprendre. En fait, je comprends, puis je comprends pas à la fois. Là. Ça va, Turbo? Ok. Et là, pour aller là, faut que je prends un nouveau chemin. Ici. Bon, faut que je vais où? Ah, faut que je revienne à la même place, c'est tout. Ok, facile. Mmh.
Méchant, monsieur, méchant! Je ne vous imaginais pas friande de bande dessinée. Elle me rappelle chez moi. La raison pour laquelle nous faisons tout ça. Capacité du réacteur, 4%. Vous savez, mon frère aimait beaucoup Moonman. Il adorait ses histoires. Il est né atteint d'une maladie. Chronique. Quand j'ai rejoint la WSA, il a cru que je l'abandonnais. Mais sans l'énergie de la MPT, sa clinique ne pouvait pas poursuivre son traitement. C'est tout ce que je pouvais faire pour l'aider. Même s'il allait me détester pour ça. Nous essayons de les aider. Les gens que nous aimons. Nous faisons ce qui doit être fait pour les protéger. Même s'ils ne le comprennent pas. Mais parfois, on se trompe. J'ai amené ma fille Cathy ici. Elle est en cryo maintenant. Isaac ? Vous avez dit que votre fille vivait sur Terre. C'est clair. Mon autre fille. On ne se parle plus. Salut, Killerman. Nous réessayerons demain. Lâche-le ! Huit, six, six, deux. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? 86, 62.
Merci. Un tableau recouvert de quelques troublants et étranges cachés dans les toilettes des hommes. La découverte d'Isaac Johnson relève une conclusion qui glace le sang. D'après les capacités de production de réacteurs, la quantité limitée d'hélium-3 sur la Lune, le MPT ne peut pas répondre à la demande d'énergie actuelle de l'humanité. Cette dernière doit changer. Huit, six, six, deux. Wouhou! Examiner tout le système. Si nous ne trouvons pas rapidement un moyen d'entrer, la Terre sera perdue. Sarah, celle, elle n'est déjà plus qu'une étendue désolée. Oui, je sais. On a foiré. Pendant des siècles. Mais la MPT peut nous donner le temps nécessaire pour corriger tout ça. J'aimerais y croire. Nous y croyons tous, Isaac. C'est pour ça que la WSA existe. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Qu'allons-nous dire à tous ceux qui vivent encore sur Terre ? Ça ne devait pas se dérouler ainsi. Merci, Karim. MacArthur a ordonné à tout le personnel de charger l'hélium dans les monorails et d'évacuer. Il disait que le réacteur était dangereux. Et les gens l'ont suivi. Hé, TG Caribou, prends ta chaise, toi, regarde-moi, hein. Confiance. Ils ont résisté. La... La situation a dégénéré. Des combats ont éclaté. Un monorail a même déraillé. Et les unités AS ? MacArthur en a fait des armes. Ils pouvaient surcharger leurs limiteurs de sécurité. Mais pourquoi ? Pourquoi les retourneraient-ils contre les nôtres ? William MacArthur est un homme pragmatique. N'oubliez jamais ça. Jamais. Il ne bronchera pas s'il estime qu'il agit pour le bien de tous. Et c'est ce que nous leur dirons sur Terre. Nos collègues ont donné leur vie pour le bien de tous, quel qu'il soit. Et voilà. Nous allons arrêter ici pour l'instant et nous continuerons demain. J'espère que vous avez adorez encore cet épisode que nous avons placé sur YouTube. Bonne soirée tout le monde.